ça met à l'honneur la tradition du cochon, puisque souvent, c'est à cette période-là qu'on tue le cochon, qu'on tue le cochon avant dans les fermes. Et donc là, autour du cochon, c'est toute une fête, hein, puisque le cochon est tué, ensuite il est brûlé, il est lavé, il est découpé. Donc c'est vraiment une grosse fête autour du cochon. Dunkerque à son carnaval, nous on a la Saint-Cochon à Besse. Nous venons de Saône-et-Loire, le Creusot exactement, mon chanin. Et donc tous les ans, nous venons à cette Saint-Cochon pour fêter tous ensemble la fête du rosé et du cochon. C'est la première fois que je viens. On a passé en Bretagne, il y a des cochons, c'est sûr. Il y a des cochons aussi, comme partout. Et les traditions, et c'est super, voilà. On appelle ça le baillard. On va faire en sorte que de respecter les... Il est quand même préférant. C'est vrai que dans la période difficile, des endroits où on vient et où on laisse les problèmes de côté pour pouvoir communier, parce que d'une certaine manière, tout le monde communie autour de valeurs que sont le partage, l'échange, les chants, parce qu'il y a beaucoup de festivités à Metz ce jour-là. C'est quelque chose de super important et ça fait du bien au moral. Ils sont surpris là. Ils sont surpris. Ils vont travailler là. Voilà. Ce sont bien étonnants. On a déjà deux, c'était pas mal. Hein. C'est parfait. Nous, on le vide d'abord.